Alors, laissez-moi un peu livrer les réflexions que je me suis fait cette semaine par rapport à ce texte-là. Vous savez, on dit parfois que le voyage ne sert pas tant à se divertir qu'à changer le mal de place. Et je vous avoue que je n'ai pas tant voyagé dans ma vie, sinon un déménagement de Québec à Montréal. Ouh, quel changement d'air, surtout quand on vient à la base d'une petite bourgade regroupée autour d'un clocher tissé bien serré. Les habitués de Saint-Clair savent que j'ai été, et je confesse que je suis encore, une personne fidèle à ses habitudes. Peut-être. Oh. Les habitudes coûtent que coûtent. Cependant, je pense que j'en suis venu à prendre quelques risques dans ma vie de tous les jours. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et pour être bien honnête envers vous, c'est pour dire que j'ai beaucoup hésité à aborder ces deux textes-là ce soir. Deux textes avec lesquels j'ai longtemps lutté. Deux textes avec lesquels j'ai longtemps été mal à l'aise. Et ce, pour des raisons d'interprétation historique. Et je sais qu'il y en a qui ont peut-être fait référence un peu à ça dans leurs commentaires. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, on m'a parfois cassé les oreilles avec le fameux verset « Je suis la vérité, excusez-moi, je suis mêlé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Peut-être que vous aussi, on vous a éduqué religieusement à considérer Jésus comme la seule option possible pour être heureux. Le bouillon de poulet par excellence. Combien de fois on a entendu le hashtag Jésus sauve? Jésus, c'est Dieu qui te demande de faire ce qu'il désire. Hashtag Jésus, il dit toujours la vérité, c'est sûr. Hashtag, tu dois croire en Jésus car c'est le moyen pour atteindre le ciel. C'est-tu pas dérangeant un petit peu? Ces interprétations-là avec lesquelles on a parfois gavé les gens sont intimement liées à une formule théologique que vous avez déjà entendue, évidemment, hors de l'Église, point de salut. Et c'est très important, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de sous-entendre que Jésus est faux ou que c'est un nobody qui dit n'importe quoi. S'il affirme qu'il est, et je cite, la porte des brebis et qu'il se considère comme le chemin, la vérité et la vie, alors il doit bien savoir de quoi il parle. Il doit bien y avoir quelque chose à comprendre, sinon à sauver de ces deux histoires-là. Et j'aimerais d'abord attirer votre attention sur quelque chose qui m'échappait jusqu'ici dans les textes qu'on a lus. En les mettant côte à côte cette semaine, je me suis étonné de constater tout le mouvement, toute la mouvance qu'il y a dans les deux lectures. C'est très sous-entendu et très subtil. Notez déjà le vocabulaire employé par Jésus. Passer par la porte, traverser, être appelé à venir, suivre la voie, entrer dans, sortir par, chercher le pâturage, la verdure. Jésus se considère comme un berger, et comme tout berger, il est responsable de ses brebis. Et des brebis, vous vous en doutez bien, pas besoin d'avoir vécu sur une ferme pour savoir ça, ce ne sont pas des objets inanimés, mais des créatures vivantes qui vivent dans un monde en constant mouvement. Il faut s'en occuper de ces brebis. Ça court partout, ça bêle tout le temps. Voyez d'ailleurs comment les brebis entrent par la porte et en ressortent librement pour se nourrir, pour aller au vert pâturage. Voyez comment, un peu plus loin, dans l'Évangile selon Jean, tout juste avant l'arrestation de Jésus, celui-ci se compare à un chemin qui sans cesse est composé d'aller-retour. Mais bien sûr, qui parle de chemin serait tenté aussi de parler d'objectif, de lieu où l'on veut se rendre. Si on manque de lait et puis qu'on prend sa voiture, puis qu'on s'en va sur la route, c'est pas pour aller aux Chutes Montmorency, mais fort probablement pour aller à l'épicerie.
une évidence. Mais néanmoins, comme d'habitude, Jésus complique un petit peu les choses parce qu'il ne parle jamais en termes d'objectifs extrêmement précis, sinon d'avoir la vie en abondance. Dans la parabole de la porte des brebis, Jésus évoque rarement l'existence d'un enclos. Et il dit encore moins que c'est à cet endroit-là qu'il faut rester et faire sa vie. Je le redis, les brebis vont et viennent. Ils passent et sortent par la porte. De manière similaire, dans la deuxième lecture, Jésus nous parle de son objectif de voyage en des termes assez sibyllins, assez mystérieux. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Quelle expression étrange! Faut-il y voir une sorte de bâtisse, un château, comme on se le représente parfois, une église bien compartimentée, parfaitement ordonnée selon des mesures? Pourtant, l'expression elle-même laisse entendre un lieu plutôt difficile à définir. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si on la prend telle qu'elle, la parole de Jésus laisserait entendre, à mes oreilles, des maisons, dans une maison, une sorte de jeu de poupées russes, une terre qui contient plusieurs espaces situés sur une terre plus grande contenue dans un monde encore plus grand. Il y a quelque chose de profondément intime et de mystérieux ici. Et le lieu dont Jésus parle est un lieu tout autre, qui ne se laisse pas définir facilement, sinon par le sentiment d'union que nous pouvons avoir avec le Père. C'est le chemin du tout autre, mais aussi du tout familier. Ce qui sort de l'ordinaire, mais qui nous parle aussi au plus profond de notre cœur. Même ailleurs, même au Japon, même aux chutes Montmorency, nous restons dans la demeure de la création, dans toute sa diversité, toute sa ressemblance. Alors, il y a quelque chose du voyage ici, il y a quelque chose du mouvement que Jésus veut nous partager. J'aimerais attirer votre attention sur un autre détail. Et notre sœur Lynn nous l'a bien dit. Parlons de ces fameux voleurs et ces brigands qui entrent ailleurs que par la porte des brebis. Et je dis bien « entrent » parce que malheureusement, à en croire Jésus, ils sont peut-être déjà là. À même l'enclos, le loup serait présent. C'est une affirmation assez forte et elle n'est pas sans rappeler, à mon avis, la tentation de Jésus au désert. Souvenez-vous du diable qui, l'incitant à se jeter en bas du temple, lui a sorti plein de beaux versets de la Bible. « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te gagner. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » C'est très réconfortant, mais est-ce que c'est la réalité? « Rien à craindre, Jésus, tu es dans le lieu saint, tu es dans l'enclos du Seigneur, le roc immobile, indestructible. Que pourrait-il donc arriver? » Le diable, et José les brigands aussi, sont d'excellents théologiens qui aiment à dire « c'est ça la vérité, maintenant on s'y conforme pour être dans la vérité. » Et vous vous souvenez de ce que Jésus a répondu? Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Jésus, à mon sens, et c'est ce que je retiens un peu de une partie de la lecture de ce soir, il refuse une sécurité illusoire. Il refuse de se limiter à un petit enclos tout douillet en apparence.
Quand il se compare à une porte, à un chemin, Jésus, à quelque part, il nous incite à ne pas tomber dans le piège de croire que tout est figé, clair et limpide. On rentre par une porte, mais on en sort aussi pour admirer l'éclat du jour. On prend un chemin avec une idée en tête, mais on peut aussi se laisser étonner par l'imprévu et même s'y arrêter. Tout cela fait partie de Dieu. C'est le chemin. Dans la joie comme dans l'épreuve, les jours de soleil comme les jours de pluie, Dieu est avec nous. Tout autre, mais aussi tout familier. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Non seulement Jésus nous invite à sortir des construits tout faits et des pensées qui prétendent saisir qui il est, mais il nous met aussi en route, en questionnement. La liberté et la recherche sont des dons précieux, car c'est dans le mouvement que l'on résiste à la tentation du mal, la tentation de s'enfermer dans des habitudes toutes faites, le risque de devenir rigide, le risque de dire « nous, on l'a l'affaire », c'est ça la vérité. Le voyage qu'est la vie chrétienne est un paradoxe constant et presque contradictoire. Et vous l'avez très bien dit, lorsque Jésus dit qu'il fait un avec le Père, c'est curieux. Il a tout de même ce désir d'aller vers lui. Ce qui nous est connaissable, curieusement, nous échappe au même moment. Nous avons le besoin, et c'est essentiel, de sortir de nos zones de confort. Et c'est par amour pour ce paradoxe-là que peu importe nos parcours spirituels respectifs, je nous souhaite un bon voyage. Je vous souhaite de voyager sur un chemin peu commun, un chemin avec des allers-retours, des points d'arrêt, des pâturages verts, parfois d'autres plus secs. Un chemin avec des routes alternatives, interreliées, des embranchements, des surprises, mais aussi des doutes. Une vie, une mort, la vie après la mort. Quelle belle analogie de la grâce de Dieu, ce chemin-là qui nous met en mouvement continuellement, gratuite et sans attente. Une grâce loin de la performance et qui nous invite à grandir, à nous réformer, à aimer librement, sans entrave, sans attente, comme je suis, comme tu es, comme nous sommes. Malgré ce qu'on dit souvent de ces deux passages-là, la porte et le chemin que propose Jésus sont véritablement des ouvertures à la vie et à l'étonnement. Et c'est justement dans ce va-et-vient continuel, entre la porte ou sur le chemin, whatever, que nous pouvons découvrir le tout autre qui est aussi familier et ainsi donner un sens à sa vie. Amen.